Salut à toi, jeune déglingo. Cette vidéo est sponsorisée par Lolga.com. C'est un site qui te permet d'acheter et de revendre tes objets sur Rocket League. Active la double authentification et reçois tes items en quelques minutes. Des questions ou un problème? Contacte le service client qui résoudra la situation rapidement. À l'achat d'un item, obtiens 6% de réduction avec le code RASMEL. Bonne vidéo. Alors d'abord, on va regarder la map. J'aime bien le concept. Que la map s'illumine de partout quand tu marques. Bon, faut réussir à marquer quoi. Moi je la trouve bien cette map. C'est vrai que le soir, tard, un peu fatigué, il y a moyen de s'endormir. Moi je la trouve sympa cette carte. Comment ça elle paraît plus large? C'est vrai qu'elle a l'air plus large, mais je pense que c'est pas le cas. Hein. Tu crois qu'ils se sont trompés dans les dimensions? Boutique d'objets, il y a des trucs nouveaux? Attendez, on a même pas regardé le patch note. Home to Rocket League's opening day, Neo Tokyo's megalithic tech scene and neon soul cityscape make for landmark right up. Qu'est-ce qu'il raconte? Rien compris moi. On parle de Porsche. Ouais, on unlock avec le Rocket Pass, blablabla, la Porsche. C'est quoi comme hitbox? Deux minus, merde. Alors, nouvelle arena, Rocket Pass avec la Porsche. On parle de crédit, on s'en fout. New tournament item. Quoi, c'est tout? Ouais, ils ont remis un petit soft reset, ouais. On verra de combien, apparemment c'est une centaine de points. Y a rien quoi. Ils ont rien fait, y a vraiment rien de nouveau là. Rien de rien? Même pas un nouveau menu ou... C'est utile, ils mettent un nouveau menu ou vous avez la possibilité de faire un salto en regardant le... C'est un truc qui sert à rien mais au moins quelque chose quoi. Là c'est rien rien quoi. Ok, no issues. Y a un petit côté, on s'en bat les couilles genre. Ouais, on sait que vous nous faites chier parce qu'il y a des bugs. On est au courant. Arrêtez de nous faire chier. Allez! Maintenant on passe à la suite, mesdames et messieurs, le Rocket Pass, bienvenue dans le Rocket Pass, voici votre voie vers 70 niveaux d'objets de récompense. Terminer des défis, gagner de l'XP et débloquer des objets uniques en jouant. Allez, Rocket Pass Premium, voulez-vous continuer? Ouais. Yay. Ok, on va tester la bagnole. C'est une Dominus quoi. Dominus Elles sont un petit peu trop longues et un petit peu pas assez hautes quoi. En fait le problème des Dominus c'est que c'est pas des octanes quoi. Alors attendez, on va regarder voir un peu la tronche de... Pas mal en vrai hein. En vrai je la trouve assez claire la hitbox. Moi je pense qu'elle est au moins aussi bien que la Dominus. Ceux qui aiment la Dominus devraient apprécier. J'imagine que comme ils ont rien rajouté, ils ont tout misé sur les items. Là c'est le moment où on se régale hein. C'est original. J'arrive pas à savoir si ça dégouline ou si ça gicle ou si ça ou si c'est de l'énergie. Oh, très joli là le petit en bas à droite là, c'est ça doit faire bizarre en roulant ça, non? Non, mais il y a un petit roleplay à faire hein. Clavier. C'est les touches. Non mais ça confirme ma théorie. Les mecs, ils sont comme ça au bureau, ils sont en mode il me faut des idées, tu vois. Et le gars, il est là en mode on va mettre un crayon! Du désodorisant, mais quelle idée de fou pour faire un boost! Des clés? Mais quelle idée de génie! C'est vraiment comme ça qu'ils font, c'est sûr. C'est pas si mal. Le truc, c'est que moi, de base, je suis pas hyper branché sur l'esthétique. J'arrive pas à savoir si c'est stylé ou pas. Mais je pense qu'il y a... Non, franchement, celui-là, je l'aime bien. De l'XP. Alors, je suis toujours pas expert en mode, mais je suis sûr à 100% que c'est éclaté contre un bus. Hop. Quel rapport? J'arrive pas à me faire un avis. Ah, ça j'aime bien. Stylé de ouf. En vrai, celui-là il est bien. Moi j'aimerais trop qu'il y ait ma tête sur une antenne, ce serait incroyable. Comme ça. En vrai, il est bien celui-là, non? C'est un boost ça? Non, c'est une traînée. Original comme traînée. Elle est pas au sol, elle vole. Mais qui joue la voiture? Qui joue cette tête? Y'a un mec qui loot ça, il se dit putain je vais jouer la paladin. Y'a des mecs qui sont en mode mais c'est le décal qui manquait sur ma paladin. Ça c'est pas mal, j'aime bien. Je vais la mettre. Un peu stylé, un peu flamme, un peu machin. Obsolète version. Je viens de me faire insulter par le jeu là, non? Est-ce que quand t'as plus de 30 ans t'es pas obligé de mettre ce titre? Ils essaient des trucs au moins. Non mais c'est pas un peu gênant quoi? C'est la Porsche améliorée. Ouais, elle est déjà plus stylée en vrai. Avec l'autre décal, elle doit être pas mal en vrai la Porsche.
Non. Non. Non plus. Ça, ça aurait pu être bien. Aïe, j'aime bien celle-là. Les traînées, on dirait qu'ils ont essayé des trucs. Oh, pas mal en vrai. Franchement, les décales de la Porsche sont bien. J'ai rien dit, c'est éclaté au sol. Ça, je sais pas si ça te gêne pas pour jouer en vrai. Comment ça, peau de serpent? C'est pas vieux de la saison 1, ça? Ils se foutent de notre gueule, là, par contre. Moi, je trouve qu'ils essayent des choses. Ouais, il y a un petit flow. Ah, ça, j'aime bien. C'est pas mal, ça. C'est pas très discret, mais... Ah non, je suis désolé, c'est pas mal. Et après, c'est les colorés, ouais. En blanc, ouais. Pas mal, ces roues, là. En blanc, là, c'est joli. Il y a des trucs, en vrai, hein. Franchement, moi, je trouve qu'il est pas si catastrophique que ça. Ah, les récompenses de tournoi, évidemment. C'est où, ça? Ça va pas changer, c'est toujours de la merde, leur système. Mais je veux voir les récompenses, moi. Il y a eu bien pire, ouais. Les meilleurs, c'est vraiment en tournoi, les meilleurs décals. Hein. Ça, c'est pas mal, en vrai. Celui-là, il est bien. Hein. Oh, je le veux bien, lui. Pas mal, ça aussi. Hein. Décal juste au milieu. C'est un décal, mais que au milieu. Ils se foutent de nous. Frange rigide. Mais ils vont nous faire un dégradé, ces fils d'eux, là. T'imagines, tu te bats en tournoi et t'as ça, après. Ça dégoûte. Hein. Original, en vrai. Pour mettre sur un gros merc et tout, j'aime bien. Franchement, celui-là, il est un peu stylé, non? Pour mettre sur une voiture un peu agressive, là. Moi, j'aime bien celui-là, en vrai. Alors, on est un petit peu off, on reste entre nous YouTube. Du coup, qu'est-ce que je pense de la saison? Eh bien écoutez, pour moi, il n'y a rien, tout simplement. Hein. La nouvelle map, pour moi, ça change rien. Et la nouvelle voiture, bah, elle est certes très jolie, mais c'est une hitbox que je n'utilise pas. Et moi, je vais pas réapprendre à jouer avec une nouvelle hitbox après autant de temps. C'est juste laborieux et ça ne m'apportera strictement rien. Je vais rester avec ma bonne vieille Octane. Les nouveaux items, bah honnêtement, je m'en fous un peu. Il y en a un qui me plaît bien, je crois que je vais essayer d'aller chercher, mais honnêtement, ça change pas grand chose. Alors maintenant, reset de MMR. Ils ont fait encore un soft reset. Les gens ont perdu à peu près une centaine de points de MMR. Je pense que c'est pour compléter la baisse qu'ils avaient prévue déjà initialement, mais je sais pas si vous vous souvenez, la saison dernière, ils avaient enlevé trop de points, ça avait beaucoup gueulé, du coup ils en ont remis une partie. Le but étant, je rappelle, d'harmoniser à peu près les MMR entre les différentes listes. Si t'as 150 000 grands champions en 2v2 et 18 grands champions en 1v1, c'est bizarre. Donc ils ont voulu faire en sorte que les listes soient à peu près aussi difficiles d'accès. Alors ce que je pense de ça, c'est que c'est pas plus mal, hein. Juste le grand champion vaudra plus cher dans la saison actuelle que dans celle d'avant et ainsi de suite. Plus le fait que le niveau augmente avec le temps, bah dites-vous que les ranks sont peut-être plus difficiles d'accès avec le temps, mais ils sont aussi plus valorisants. Mais encore une fois, vous avez perdu un petit peu de rang, vous avez pas perdu de niveau. Si vous vous accrochez et que vous continuez à jouer, et bah vous allez remonter et vous allez avoir votre rang. Je pense que ça pose aucun problème. À court terme, ça peut être un peu frustrant, mais cette gestion de la MMR, pour moi, elle est assez importante pour l'équilibre global du jeu. C'est vrai que le fait qu'il y ait rien de nouveau dans la mise à jour, moi je trouve ça un peu décevant. J'aurais vraiment vraiment aimé qu'ils améliorent le mode tournoi, qu'il y ait d'autres manière de faire de la compétition qu'en ranked. Pour moi, c'est ça le plus important. Bourrer le mode tournoi, pourquoi pas un mode team. Bref, comme d'habitude, hein, y a des choses à faire dans Rocket League. Voilà, les développeurs, ça les intéresse pas de se focus là-dessus. J'espère qu'ils travaillent à fond sur autre chose. Sinon, tant pis pour nous, il reste plus qu'à apprendre de nouvelles choses. Mon objectif de la saison pour moi, c'est Musty Flick et Infinite Dash. C'est un bon programme déjà. Concernant un petit peu les RLCS, alors on a toujours pas de date de début, on sait pas quand ça va commencer, ils sont assez discrets sur le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement dans la saison des transferts, ça veut dire qu'en fait les équipes vont faire des try-out. Try-out, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont tester différents coéquipiers pour essayer de faire une team capable de battre la team Vitality, hein. Concrètement, ça va être ça l'objectif, hein, arriver à battre cette équipe de Vitality. À ce sujet, on en a appris pas mal, notamment chez la Carbine Corp. On sait que du coup, Eversax, Itachi et Exotic sont tous les trois libres d'explorer d'autres options. Alors ça veut pas dire qu'ils sont kick, ça veut pas dire qu'ils vont partir. Ça veut dire qu'ils sont libres d'aller faire des tryouts à droite à gauche. Donc bon, probablement que ça veut dire qu'ils resteront pas, mais c'est pas sûr. Sinon il y a eu pas mal de choses, hein. First Killer qui se retrouve aussi tout seul, Version 1 qui va se libérer de Daniel Abyss Mod, hein, qui vont essayer de les vendre apparemment. S'il y a vraiment des informations très importantes, bah suivez-moi sur les réseaux et je vous en ferai part. Il y en a que ça excite de fou le Mercato, moi ça m'intéresse sans plus. Par rapport à moi, à mes objectifs de la saison, et ben en fait je vais essayer de jouer un petit peu plus cette saison, hein. J'ai pas mal de vidéos d'avance et c'est très rare. Du coup je vais avoir un petit peu plus de temps pour jouer, donc je vais essayer de trouver un petit peu des nouveaux mates. J'ai fait des recherches déjà sur les réseaux et on va tester un petit peu tout ça, voir si on peut pas trouver de nouveaux coéquipiers pour aller charbonner un petit peu plus. Voilà, du coup il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour cette nouvelle saison. J'essaierai de vous aider comme d'habitude au maximum pour que vous puissiez progresser dans Rocket League. Et pour finir, n'oubliez pas, la seule mise à jour importante de Rocket League, c'est vous. Apprenez de nouvelles choses et le jeu sera différent. Voilà, c'était Razveltor, salut, ciao.